Bon, d'accord. On m'a beaucoup parlé de vous, on a fait pas mal de publicité pour vous, et maintenant c'est dans mon tour de vous demander clairement pourquoi toutes ces publicités. Ok, parlez-moi un petit peu de vous. Eh bien, moi je suis Marie-Jusqu'à Millard, une jeune fille de 21 ans. Alors, je suis encore à l'université et je suis également très active dans la communauté haïtienne. Je suis animatrice de radio et de télé, mais pour l'instant, je me focalise un petit peu plus sur la télé et je fais des études en communication et en sciences politiques. Et puis, ben, je suis une jeune fille qui est amoureuse de sa patrie. C'est probablement pour ça qu'on fait autant de publicité. Maintenant, dites-moi pourquoi les deux à la fois, parce que la casse, la communication, l'art et les sciences, enfin, ça dit beaucoup. Mais maintenant, vous êtes fourré en politique. Mais pourquoi alors? En fait, c'est comme Platon l'a dit, Platon, nous sommes des animaux politiques. Alors moi, la raison pour laquelle j'ai entamé cette voie, c'est parce que j'ai toujours voulu comprendre la situation de mon pays. C'est pour ça que j'ai choisi les sciences politiques. Et pour la communication, c'est pas moi qui ai choisi ça, c'est la communication qui était choisie. Parce que j'avais 14 ans quand j'ai commencé une émission à la radio. C'était à Kangwa, je suis née, j'ai grandi là-bas et j'ai commencé une émission à la radio. Et depuis lors, c'est devenu une maladie. Je suis folle de la communication. Et je veux, disons, utiliser ce talent qui m'a été octroyé. Je veux me mettre au service de ma communauté. Et je pense, disons, faire une sorte de mariage entre la communication et la science politique pour voir comment je peux être utile à la communauté haïtienne, particulièrement ici dans la diaspora. D'accord. On dit assez souvent, le médium, c'est le massage. Comme on peut dire aussi, le médium, c'est le message. Maintenant, je vois que... Enfin, vous vous sentez assez bien en français et sans doute vous parlez assez bien l'anglais. Oui, je parle mieux l'anglais actuellement. Bon, alors, mais dites-moi, comment cette symbiose a été réalisée alors? En fait, je suis née, j'ai grandi en Haïti. Je suis arrivée plutôt à New Jersey, j'avais 15 ans. Il y a mon père qui était un petit peu strict à la maison. Disons, 7 mois après mon arrivée, j'avais commencé à parler l'anglais et puis, du coup, il a insisté à me parler en français parce qu'il a voulu que je garde le français. Et puis j'ai beaucoup d'amis qui habitent au Canada et moi également, je vais assez souvent au Canada et ça fait déjà 2 années consécutives que je vais régulièrement en Haïti, passer mes étés en Haïti comme stagiaire, premièrement à Radio Télé Métropole et ensuite au ministère du Tourisme. Alors c'est comme ça, parce que le but ultime pour moi, c'est de retourner en Haïti et c'est pour ça que j'ai en Haïti, on parle le créole, on parle le français. Alors, je vois très bien créole et je me suis dit, ben voilà, c'est important que je garde le français si je veux retourner et travailler en Haïti. C'est pour cette raison que j'ai gardé le français. Et j'aime également la langue française, c'est très joli quand même, c'est super parfait. D'accord, c'est bien. Maintenant, parlons un petit peu de culture. Nous sommes maintenant à ce qu'on appelle Oxford University. Anglais, this is English. Yes, it is. Maintenant, on va peut-être parler un petit peu de M. Thierry Tardieu. C'est un monsieur très connu, si je ne m'abuse, et paraît-il que vous le connaissez très bien aussi. Ben, je n'ai jamais vraiment eu la chance de rencontrer M. Tardieu face à face, mais j'ai beaucoup entendu parler de lui. En fait, aujourd'hui, c'était la première fois que j'ai fait sa connaissance et j'ai été me présenter tantôt. C'est un type extraordinaire et je dois dire que je trouve qu'il est très sympa, il a les pieds sur terre. C'est un type qui a l'esprit positif et comme M. Franck Etienne l'a dit, et Tardieu, c'est quelqu'un qui possède une inflation d'optimisme. Alors j'ai pu remarquer ça en conversant avec lui tantôt, j'ai remarqué ça et à travers ses ouvrages également, parce que j'ai consulté quelques de ses ouvrages, j'ai remarqué que c'est quelqu'un qui a l'amour qu'il porte pour Haïti, c'est quelque chose qui est... On peut même pas mettre des mots sur ça. Et c'est un type que j'apprécie, j'aspire à devenir comme lui. Et comme lui, j'aurais aimé également investir en Haïti. Non seulement investir, mais m'investir en Haïti. Bon, pour une vedette féminine, c'est un petit peu délicat. De la façon dont, enfin, je vous vois, vous m'intéressez un peu. Okay.
Alors, c'est comme un compliment. Non, mais quand même, en fait, c'est la pure vérité. Okay? Maintenant, on va un petit peu plus loin. Dites-moi, dans la culture, enfin, là où vous sortez bien. La culture, moi, je danse parce que pour moi, la danse, je danse et j'écris. Mais la danse également, c'est une forme d'écriture pour moi. Parce que quand j'ai dit écriture, c'est parce que j'utilise mon corps comme stylo et j'utilise le plancher comme papier et ma sueur me sert d'encre. Alors, c'est deux formes d'écriture et j'aime écrire également parce que en écrivant des histoires, j'ai pu visiter des endroits que je ne pensais pas visiter avant. J'ai pu découvrir la fille qui était cachée à l'intérieur de moi. J'ai pu amener ces filles, disons, rentrer à l'intérieur de moi. Genre, une sorte d'introspection, apprendre à connaître qui est Marichka, qu'est-ce qu'elle veut. Et c'est à travers l'écriture que j'ai pu faire ça, me découvrir. Et je vais également, disons, je chante un tout petit peu, mais je dirais pas que je suis chanteuse. Et je fais un peu de genre acting à l'école, je fais partie de Greek Theater, je fais ça également, je dirais que je suis apprentie actrice, c'est un peu de tout ça. En fait, je suis, j'arrive pas à trouver le mot, c'est comme versatile, je n'ai pas vraiment un coin, j'essaie un peu la danse, un peu de poésie, c'est un peu de tout pour moi. D'accord, maintenant parlons un petit peu de progression. Moi j'ai dit progression, j'aurais mieux dit enfin si j'avais utilisé le terme profession. En passant, qu'est-ce que ça te dit? Pardon, je vous tutoie et je vous vois. Non, mais c'est pas un problème. Dis-moi maintenant, on se tutoie. C'est mieux. Dis-moi, qu'est-ce que ça te dit, la télévision ou la radio? Comme j'avais dit tantôt, j'avais fait de la radio avant. J'ai commencé à l'âge, j'avais 14 ans quand j'ai commencé à faire de la radio en Haïti. Et puis en arrivant ici, j'ai recommencé à faire de la radio. J'ai dû prendre une pause parce que mes études, j'ai dû consacrer plus de temps à mes études. J'ai pris une pause. Et là maintenant, j'essaie de recommencer. J'ai une émission qui s'appelle Maché Chéché. On va commencer la diffusion de Maché Chéché. C'est la première semaine du mois de janvier qu'on commence. C'est sur CBN Télé à New Jersey. Et j'essaie également de collaborer avec d'autres télévisions, surtout ici à New York, pour voir si l'émission peut être diffusée à New York. Ouais. D'accord. Bon, là-dessus, on peut faire un mariage. Si ça va être un mariage d'amour ou bien un mariage de raison, comme dit la chanson. Pourquoi ne pas combiner les deux? Parce que moi, je pense que sans raison, il n'y a pas d'amour. Il y a de la folie. Il faut de la raison. On ne peut pas aimer sans raison pour moi. Ça, il faut qu'il y ait des raisons. Bon, là-dessus, je ne vais pas trop m'abuser. Et je ne voudrais pas aussi enfin dire aussi en autre chose. Et je vais terminer avec toi, mais simplement par te demander de parler encore de Jérita. Qu'est-ce que tu penses de l'ouvrage Investir, s'investir? Je n'ai pas encore lu l'ouvrage, mais disons que j'ai lu quelques entrevues sur le nouvel livre que M. Jerry a envoyé à ses journalistes. Alors, je peux dire que dans son livre, il parle de son expérience en tant qu'entrepreneur haïtien et notamment son expérience en tant que disons, promoteur du projet Royal Oasis. Moi, j'ai hâte de lire le livre. Je me suis acheté un bouquin et je vais commencer à me mettre à la lecture dès que j'arrive à la maison. Et je pense que Jerry, disons, en voyant Jerry, ça donne espoir. C'est un type, il a fait ses études ici, comme moi j'étudie ici, mais il a osé rêver. Et en plus de rêver, il est parti, il a agi. Jerry a agi. Et moi j'aspire à devenir comme ça. Non seulement je rêve, j'ai des rêves, je rêve grand, mais je veux retourner chez moi. Je veux, disons, c'est comme on dit en créole, mais la patte là. Et je veux dire qu'il m'inspire, il m'inspire. Et comme j'avais dit tantôt, j'ai hâte de lire le livre Investir. Et ce qui m'a beaucoup attiré lorsqu'il a dit, ce n'importe
ce n'est pas seulement d'investir, mais c'est de s'investir. Et c'est se mettre au service de son pays. Parce que Haïti a besoin de nous. Haïti a besoin de ses enfants. Et moi, disons que je me suis rendu compte de combien mon pays a besoin de moi. Et c'est pour ça que j'insiste à retourner chez moi et aller me mettre au service de ma famille. Dis-moi encore combien d'années en plus que tu comptes passer à l'école. Je termine en mai, j'ai terminé avec les cours, mais il me reste ma dissertation, je dois présenter ma dissertation en mai. À partir du mois de juin, je compte partir en Haïti, je pense mettre sur pied une fondation dans ma ville natale, à Grand-Gouave, et je pense rester là-bas environ 9 mois, et ensuite revenir pour faire un master en études de développement. Allez te demander exactement pourquoi pas une maîtrise. Ouais. Non, je veux prendre, je vais aller étudier le terrain d'abord. C'est vrai que j'ai fait quelques stages en Haïti, mais ce n'est pas suffisant. Il me reste beaucoup de choses à apprendre. Alors, je veux aller en Haïti, passer quelques mois et ensuite revenir pour ma maîtrise. Tout le plaisir a été pour moi et j'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Hein. Très prochainement. Merci beaucoup.